Alors on va tout de suite écouter les réactions de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Il veut juste signer des décrets tout le temps et ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas juste et ils ne vont pas accepter ce deuxième amendement. Ça ne va pas passer, c'est sûr. Je suis très fière de ce que le président a dit et je suis heureuse car ce qu'il a dit, je l'avais préconisé il y a des mois déjà pendant la campagne. Il faut fermer les magasins d'armes, les sites de vente en ligne, fermer toutes les opportunités que les gens utilisent pour se procurer des armes. Cela comprend la fin de l'immunité des fabricants et des vendeurs d'armes.